Alors, il existe depuis l'arrivée de ce fameux sucre-là, qui, au début des années 70, inonde le marché. Prend la place. Et les portions augmentent. Tout augmente. On en mange de plus en plus. Mais un problème est arrivé. On a maintenant, dans la population, de plus en plus de gens qui ont un syndrome intestinal qu'on appelle l'intolérance au fructose. Ça donne exactement les mêmes symptômes que l'intolérance au lactose. Le hic, c'est que quand on dit lactose, on dit lait. Quand on dit fructose, on dit quoi? Bonne chance. Il y en a partout. Alors, ces gens-là ont les mêmes symptômes que l'intolérance au lactose. Ballonnement, gonflement, douleur, nausée des fois, mal de tête, diarrhée. Mais ils disent, non, mais je mange pas mal. Le jus de pomme contient beaucoup de fructose, presque pas de glucose, et contient un sucre autre qu'on appelle un polyol, le sorbitol, même chose dans la poire. Quand je mange une poire, pas de problème. Quand je mange un jus de poire, le sorbitol est augmenté. Et les gens qui ont cette intolérance-là, fermentation, mal au ventre. Parce que le fructose est mal absorbé quand il arrive tout seul. Quand il arrive avec du glucose, à différentes proportions, il est mieux absorbé, voire beaucoup trop absorbé. Et c'est là qu'il y a toute une chimie qui apparaît. Mais cette intolérance-là, moi je travaille comme consultant expert conseil pour un groupe de nutritionnistes qui s'appelle Harmonie Santé. Vous pouvez les retrouver sur harmoniesanté.com, qui est le plus grand groupe de nutritionnistes de pratique privée. Et le nombre de fois que j'ai eu des questions là-dessus, il y en a une qui en a fait une spécialité, parce que c'est de plus en plus fréquent l'intolérance au fructose. Mais quand on mentionne du fructose dans l'aliment, le fameux sirop de maïs qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi je suis capable de dire fructose ennemi public numéro 1? On le voit là. Je passe pas par la voie de l'insuline, ce qui faisait dire à mon tignac que c'était un meilleur sucre qui ne faisait pas engraisser. Oui, mais mon corps va le brûler pareil. Comment? Alors, au lieu de passer par la voie de l'insuline, la phosphatation est rentrée dans les cellules via l'insuline, il passe par le foie, il est transformé. Mais on a de la misère, mes enzymes le reconnaissent mal, c'est pas du glucose, qu'est-ce que je fais avec? Je le transforme en gras. Je fais de la lipogénèse hépatique. Oh, bon grand mot, je crée du gras dans mon foie, puis là je fais quoi avec? J'ai toutes sortes de portes de sortie. Soit que je l'envoie dans le sang, ça donne un taux de triglycérides élevés. T'as entendu parler de ça, hein? Le cholestérol et les triglycérides qui sont probablement plus dangereux que le cholestérol. Ça augmente directement relié à la consommation de sucre et particulièrement celle du fructose. Et une fois que mon foie se débarrasse de ses affaires, il va où, là? Je vais en bouffer une partie et quand j'en ai trop, je le stocke. Où? Là. La bédaine. Le syndrome métabolique. Et là, vous voyez apparaître stéatose hépatique, foie gras, triglycérides élevés, obésité abdominale, maladie cardiaque et diabète parce que j'atteins en même temps sans passer par l'insuline, je change la sensibilité des récepteurs qui deviennent moins sensibles à l'insuline. Et ça, c'est la triade du syndrome métabolique qui m'amène au diabète, à maladie cardiaque, à l'inflammation, l'augmentation du cortisol. Et on peut continuer dans le modèle hormonal, qui commence tout avec une augmentation du fructose. Fait que le fructose dans ma pomme, j'ai pas de problème, il met un fructose dans ma boisson gazeuse, oups! Mon 25% de calories. Et là, on va voir au niveau du corps ce que ça fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le dernier détail. Que vous voyez pas, désolé, dernière ligne trop basse. Le fructose, naturellement, cause une réaction du corps d'une augmentation de la quantité d'acide urique dans le sang. Si je suis en santé et mon fructose arrive de l'aliment, j'ai le même processus, mais je n'ai pas de surplus. Mon acide urique, chez quelqu'un en santé, c'est un antioxydant. Oh, bénéfique. Mais si je ne suis pas en santé et j'ai des surplus, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop d'acide urique et je le stocke dans des drôles de places, genre les articulations, et ça donne de la goutte. Moi, j'ai grandi comme professionnel à l'université. Il m'a fait dire que la goutte, on traite ça en réduisant les protéines animales, les abats, les sources de purines, blablabla. Puis là, on fait, oui, mais pourquoi la crise est déclenchée par l'alcool? Pourquoi les goûteux sont souvent des gens qui ont le bras fort? Pas tous, mais souvent. Il est là, la réponse. L'alcool est un sucre. Le fructose aussi cause la même cascade, augmentation de la sécrétion, augmentation des dépôts de cristaux des articulations et paf, ça fait mal. C'est la maladie des rois de France aussi. Pourquoi? Parce que c'était pas de l'eau qui buvait à terre des rois de France. Hein? Même affaire. Et métaboliquement, là on va regarder une étude clinique.
qui est fait sur 32 personnes. Ils sont tous des gros. Okay? Ils sont tous à la limite de l'obésité. Ils ont un indice de masse corporelle entre 20, au-dessus de 25 et proche de 35. Donc, on est vraiment dans le monde qui n'est pas petit. On leur a donné soit une boisson au glucose, soit une boisson au fructose qui correspond à une dose équivalente à 25% de leurs calories. Souvenez-vous, j'ai dit que nos Américains, d'autre part, ils consomment 25% de leurs calories en sucre ajouté. Et là, ce qu'on a fait, on a séparé les deux. Soit glucose, soit fructose. Alors, le tableau que vous avez là, tout le monde a engraissé. C'est clair. On leur a rajouté du sucre, ils ont engraissé. À peu près égal. Body fat, c'est la quantité de gras total. À peu près égal. Mais quand on regarde deux types de gras particuliers, le gras sous-cutané, ce qui fait qu'on engraisse de partout, ce qui fait que madame engraisse d'ici, là. Hein? Vous savez que madame a toujours le problème. Hein? Quand on veut maigrir, on maigrit de là où on veut pas maigrir. Quand on engraisse de là où on veut pas engraisser. Les gars, c'est pareil. Hein? Les gars, quand ils maigrissent, ils font ça. Puis quand ils engraissent, ils font ça. Pareil. SAD, c'est sous-cutané. La colonne gris pâle, c'est l'augmentation par le glucose. La colonne rayée, c'est l'augmentation par le fructose. Voyez-vous comment est augmenté. VAT, c'est visceral, le gras viscéral, le gras dont je parlais, là, la bédaine, qui est associé à une augmentation du syndrome métabolique, associé à une augmentation du diabète, associé à une augmentation des maladies cardiaques. Et je continue. Regardez la disproportion. Tout! C'est le fructose que je vais stocker sous forme de gras, là. Là. Et ça, c'est une étude clinique sur du vrai monde. C'est pas juste un laboratoire. Je peux faire la même affaire avec des souris. On l'a démontré. On met du fructose dans l'eau. Un modèle. On met du sirop de maïs dans l'eau. Le fameux sirop de maïs qui est en fructose. Qu'est-ce qui se passe? Mes souris deviennent amorphes. Mangent moins. Sucre compté, prennent moins de calories. Et sont plus grosses. Les souris où j'ai pas mis de sucre là, mangent une nourriture normale. Ils sont dans la petite roue, ils tournent. Ils bougent. Des vraies souris. Les autres sont comme assis là. Ça ressemble beaucoup à du monde qu'on connaît tout le monde ici, hein? Assis devant un ordinateur. On en connaît comme ça. Hein? Avec un Nintendo. On mettra des visages et des âges chacun, là. On les connaît tous. Alors on voit la perversité du néfaste food. La malbouffe. Moi j'aime bien le mot néfaste food à cause de l'image que ça nous apporte. Elle est perverse. Si vous avez vu l'émission L'épicerie du 16, il y a deux semaines. On a un documentaire sur ça, comment ça reprogramme le cerveau et comment ça crée de la dépendance avec un surplus de sel, de sucre et de gras. Mon cerveau pense différemment.